Poser la question, qui voulait apprendre comment on apprend un cheval à donner ses pieds? Toi, Nathalie. On en profite pour partager ça. Vous vous souvenez, avant, je faisais ça avec ma badine. Je prenais la badine, je tapais un peu, je tapais de plus en plus fort jusqu'au moment où le cheval fasse ça. Et je trouvais que c'était vraiment assez violent, percutant pour le cheval, et certes, j'avais ça, mais avec quelle violence derrière. J'ai trouvé des choses un peu plus subtiles. Fanny n'a jamais donné ses pieds, j'ai jamais fait encore ses pieds. Bon, elle vient juste d'arriver, hein, petit chouchou. Mais du coup, là, on va montrer en live, on fait un live. Donc, je tapote avec mes doigts, je vais... Oui, Fanny, bravo, super. J'ai juste fait un petit peu tapoter avec mes ongles, comme ça, juste un petit peu stimuler derrière le genou. Pied, Fanny. Oui, super. Donc heureusement, elle a attaché une ficelle. Surtout, on ne fait pas ça avec un cheval attaché. Fanny, pied. Je prépare ma main, pied. Donc là, elle ne veut pas me le donner, donc je mets un petit peu de cure-pied. Oui, bravo, Fanny, super, waouh. J'insiste pas. J'ai lâché avant que de sentir de la résistance dans son pied. Elle a donné longtemps, je trouve. Elle a donné longtemps. Oui. Carrément. Tu aurais même pu faire le parage, limite. Bah non, mais ok. Donc là, on vérifie, oui, ma Fanny. T'as changé, Fanny. Donc là, on redemande, pied. Pied, donc là, elle veut pas. Voilà, bravo, bravo. Alors maintenant, si je veux qu'elle donne un peu plus longtemps, bravo, je masse, je caresse bien. Et juste, je remonte le pied. Voilà, choupette. Voilà. J'ai remonté un petit peu le pied comme ça. D'accord? Après, vous y passez. Toutes celles qui veulent, vous venez demander, vous allez demander l'autre antérieur. Je vous montre comment on demande un postérieur. Jamais donné postérieur. Jument de 5 ans. On va voir au niveau de notre sécurité. Il y a ça qui joint au niveau sécu. Donc on va voir, c'est ce qu'on passe avec une longe dans le postérieur. On va voir. Natsu, sors de là, s'il te plaît. Donc là, pareil, gentiment, je stimule. Pied, pied. Oui, je laisse. D'accord? Elle n'a pas eu de mouvement violent. Et avant, j'aurais fait ça avec ma badine. J'aurais forcément déclenché une inquiétude sur ma jument. Et peut-être une réaction. Tac, ouais. Je veux pas ton machin. Ouais. On me l'avait dit à l'époque, je me souviens, une femme qui avait son cheval en pension m'a dit « Aline, moi je fais pas trop ça avec mon cheval. » Je lui ai dit « Bah ça passe, c'est ok. » Et puis après je me suis rendu compte qu'avec mes chevaux encore plus sauvages et un peu plus sensibles, on pouvait pas du tout faire ça. Donc là pareil, je vais redemander, pied, et je vais préparer ma main. Pied, je fais toujours attention à ma sécurité. Hein. Oui Fanny, bravo Fanny. Bon là on a vraiment pas force. Là, j'attends qu'elle cède un petit peu, je pose. Et bon, là, on n'a vraiment pas un cheval. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Je lui ai jamais pris ses pieds. Je lui aurais pris ses pieds, elle aurait pas les pieds comme ça. Ok? Qui fait antérieur? Ben moi, je vais. Allez. De l'autre côté. Mets-toi de l'autre côté. On va refaire les quatre. Elle est très calme, la jument. Oui! Ok, alors tu vois, la première fois, comme tu n'avais pas préparé vraiment ta main, ah bah si, on a besoin, parce que si, pourquoi elle dit « Ah bah j'ai envie de poser le cure-pied » Bah non, parce que tu fais un peu avec tes doigts, là, imagine, tu fais ça, si ça passe pas, bah je vais un petit peu le cure-pied. Le cure-pied, c'est pas pour tabasser, c'est juste pour donner un petit coup un tout petit peu plus électrique. Okay. Prépare ta main en bas. Non, interdiction, interdiction. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai poussé. Elle a poussé. Elle a fait comment s'entrecaisse d'abord? Ah, c'est la caméra, je sais pas si. Là, elle a fait ça. On t'a pas arraché. Mais là, s'entrecaisse à faire ça. Je veux plus. Regardez ce qui s'est passé. La jument, qu'est-ce qu'elle a fait? Je te pousse. Pousse contre moi. Pousse contre moi. Et ben voilà, toi, tu mets de la résistance. Regarde, je peux encore redemander. Pied. C'est... Bien sûr, il va le donner. Regardez comme elle s'appuie sur moi. C'est logique. Interdiction. Regarde, je suis loin. Fanny, pied. Je prépare ma main, t'as vu, regarde Geneviève. Je prépare ma main, elle répond pas. Tac, oui, c'est léger. Oui, Fanny, oui, Fanny, oui. Ok? Et là, ça veut dire, bon, attention, parce que là, je vais me faire mal.
mais ça veut dire que je peux préparer. Donc là, pareil, je veux pas choper les poils. Hein. J'attends, hein. Je prépare ma main, pied. 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 Oui, bravo, bravo Fanny. Alors là, elle se tient mal. Je teste quand même. Je suis en jupe, c'est là. Voilà, on se relâche, on se relâche. Voilà, tout est lâche. Je cède. Ok ? Ça veut dire que là, franchement, vu la jument, vu comment elle est, franchement, je pourrais demain, si j'ai le temps, je lui fais demain son parage. Oui, choupette, oui, choupette. Pareil. Là, choupette. On se détend. On se détend. Voilà, on se détend un peu. Elle s'appuie un peu sur moi. Mais bon, là, là c'est pas moi qui veux, c'est ma position de maréchal. Ok, donc là, c'est bien, tu nous as présenté un... Qu'il faut refaire. Voilà. Bah, c'est bien aussi. Mais ça, c'est l'habitude. C'est vrai qu'elle a appris comme ça. On a appris aussi comme ça. C'est très bien, ça nous montre ce qu'il faut faire. Oui, t'avais pas préparé ta main. Mais alors, il faut que j'attrape ici. Attends, c'est avec cette main-là que j'attrape en dessous. Oui, Fanny. Regarde, par exemple, là, regarde. Je prépare ma main, pied, pied, d'abord pied, 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 Fanny. Voilà, ici, toi, j'ai chopé ici. Et après, c'est vraiment le bout de pied qu'on a envie de remonter. Là, ici, voilà. Et là, j'ai très peu, regardez, j'ai très peu, je la tire à deux doigts. Donc bien, c'est vrai que ça paraît simple quand tu vois finalement, quand on voit les autres passer, il y a des petits trucs arriver. Voilà, monte en pied, voilà, caresse. Masse tes tendons. Ok, ok. Quelqu'un veut demander le même antérieur qu'elle a fait Geneviève? Moi, je mets l'immense. Tu veux voir. Qu'est-ce qu'elle a changé cette jument? Ça valait pas le coup de partir à l'engraissement en Espagne. Hein. Les chevaux, bah vas-y, fais ton boulot. Non, le cure-pied dans la main, si on en a besoin pour monter en pression. Les chevaux, je le dis pour YouTube, les chevaux non identifiés qui ont plus d'un an n'ont pas le droit de partir à l'abattoir. Les maquignons, ils ne peuvent pas. Donc, ils partent à l'engraissement. Et là, entre autres en Espagne. Elle a failli partir, du coup. Mais l'engraissement pour l'abattoir en Espagne. Bien sûr. Ou l'abattoir encore transporté en Italie ou quoi, ouais, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont en France. Donc, viande française, ça nous fait bien rire. C'était ok? Pardon, j'ai raconté. Non, en fait, j'ai rien fait, j'ai attendu que. Ok, ok. Que je raconte mes histoires sordides, mais bon, c'est le jument, hein, failli y passer. Déjà, c'est trop. Voilà! Moi, je trouve que ça a été longtemps comme ça. Longtemps. J'aurais dû passer. Voilà, tu fais un petit peu et après tu montes en pression. Mais pression avec le cure-pied, c'est juste ça, c'est tout. Hein. Je la fais juste avancer un petit peu. Fanny? Fanny? Voilà, voilà. C'est bien, à toi. Refais le propre. Ah, bah, je suis pareil qu'en technique. Hein. On s'arrête sur du propre. Mais là, elle n'est pas. Non. C'est elle qui se débrouille, elle s'organise. Elle bougera ses pieds s'il faut. Là, c'était violent. T'as senti? Trop violent. Et puis, bon, la preuve, tout de suite, la... C'est pas grave, caresse. Donc là, faudra le faire, mais un tout petit peu moins. Mais je sais pas, j'ai pas senti. Je sais que t'as pas senti ta force. Mais, surtout quand c'est comme ça, c'est pour ça que je dis on n'attache pas. Donc là, elle est pas attachée, hein. Elle est juste passée. Je la ravance. Non, tu le fais. Ah, je suis fatiguante jusqu'au bout, hein. Tu pars dans quelques minutes. Hein. Bon, alors on va essayer de. Et elle est venue de Nouvelle-Calédonie. Là, c'est la première fois que quelqu'un vient d'aussi loin pour me voir. Parce que t'as vu des gens. 24 heures d'avion. 25 heures, je sais plus. C'est pour ça que les gens ils font rire. Oh, mais t'es trop loin. Si tu veux. Bah oui, mais bon. Il y en a qui viennent de Nouvelle-Californie. Calédonie. Oui, bravo. Là, d'accord, t'as vu que c'était un petit peu lourd, tu l'aurais pris un petit peu plus devant et forcé le pied à se monter un petit peu, c'était ok. Parce que je l'ai passé... Voilà, vers son ventre. Mais c'était pas mal, pas mal. Qui fait un postérieur, le postérieur que j'ai jamais fait? Nathalie, qui veut apprendre. Bon courage. Merci. Ouais. Attention à ta tête, Nathalie, hein, t'étais un petit peu penchée. Doucement, doucement, là, stop, t'écartes trop, tap, 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 tap. Est-ce que vous avez vu? Là, ça partait, écarté, top, on y va de tranquille. Je m'attendais pas à ce qu'elle le donne. Oui, mais regarde, reste dans la position naturelle. Et déjà, c'est ici qu'on demande pied. Voilà, naturellement, regarde, on reste sous le cheval, sous. D'accord. Toi, on n'écarte pas. Et là, fallait, là, perte d'équilibre, il fallait me lâcher. Là, toi, t'as essayé de faire...
Tranquille. Déjà, attends, elle nous donne. Attends, elle n'a jamais donné ses pieds, chouchou. Oh. Au niveau du jarret. Là, ici. Je toque, je toque. Pied. Monte un peu. Oui, c'est fini, c'est fini. Ok. C'est ce qu'il fallait pas faire, je pense. Okay. Non, 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 c'est pas ça. Mais pas se reprenez. Voilà. Oui, bah oui, pour ta. Pour ta... Eh ben, jusqu'à réussir. Parfaitement. Faut que ce soit léger. D'accord. Pied. Pied, Fanny. Oui. Non, 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 elle a pas donné. On ne tire pas sur les poils. Prépare à prendre le pied. Ici. Ici. Ton cure-pied, là, il fait rien, ton cure-pied. Oui, voilà. Super. Lâchez, bon, c'est fini, c'est fini, c'est très bien. Voilà. Ok. Ton cure-pied, au début, tu faisais comme ça. Juste, tu sais, il faut mieux juste un petit peu faire et monter c'est en pression. Là, c'est ça ? Ici, je touque. Prends réflexe là. Moi, c'est ce que j'ai trouvé avec mes chevaux. C'est pas. Okay. Et bon, la médecine chinoise, je sais pas si elle va nous expliquer exactement par rapport à ce point réflexe. Ici et devant, derrière les genoux. Ici. Je sais pas si c'est le meridien. Là, on a le méridien vésiculaire. Chouk chouk. Ouais. Après, t'as la V41 là. Après, la VB. Vessie, un peu plus sur le côté. Bon, écoutez, ouais. Ça, moi, je... C'est le point secret. La théorie du cheval sauvage qui c'est me donne c'est ton point secret. Bravo, Annie. Qui veut essayer? Ouais. Antérieur ou postérieur? Ouais, de ce côté-là. Tu fais ce que tu veux. Et s'il y en a d'autres qui veulent essayer, puis après, on va remercier Fanny. Tu c'est vas la mettre top. Sur YouTube, la vidéo? Oui. Ça te va tout longtemps? Comme ça me prend une révision. Parce que moi, dès demain... Ok, vous avez vu qu'elle n'avait pas préparé sa main. Oui. En tout cas, elle l'a donné, ça. Oui, parce que la jument, ça fait plusieurs personnes. Ouais. Oui, très beau. Et vous avez vu comme c'est léger. Pourtant, regardez, elle se tient pas très très bien, la jument. Elle était comme ça et la jument était quand même mignonne. Moi, et vous savez quoi? Pour vous faire plaisir, je ferai le parage de Fanny. On toucherait toute seule demain, la semaine prochaine. Ou peut-être demain, et peut-être demain matin, et tu seras là. Et bien, avant mon cours avec Menka. Et puis, je fais son parage. Filmé, comme ça vous verrez. Vous aurez la suite, d'accord? Oui. Je ne ferai pas en short. Non. Ok, quelqu'un veut faire postérieur? Moi, je veux faire plus. Est-ce que quelqu'un d'autre après veut essayer, c'est bon? Oui, regardez. C'est pas grave. Tu vas redemander. C'est vrai que là, elles sont un petit peu... C'est attends. Peut-être un peu beaucoup. Non, c'est pas ça. Non, ça, il n'y a pas... Ça, vous avez toujours peur d'en faire trop. Ouais, mais là, il y a no stress. Donc... Là, on n'a pas l'impression de la fracasser. Lui, pourquoi ça fait beaucoup? Bah, c'est comme Ayana. Vous êtes toutes passées sur elle en déplacement latéral. Elle s'est mangée donc 6 personnes, 7 avec moi. Et à la fin, on dansait, on y allait comme ça. Qu'est-ce que ça, vraiment, ça les fait chier. Ce qui est dur, c'est quand on monte en pression. Menka, nous, de la violence et tout ça. D'accord? Et là, il va falloir vite avoir la réponse positive pour lâcher. Là, franchement. Parce que vraiment, on l'a fait tant chier que ça. Bon, d'accord, c'est vrai qu'elle préfère manger que donner les pieds. Faut pas exagérer. Ok? Attention de ne pas transposer. Bon, ok, à toi. Je reste là. Oui. Oui. Ok. Je ne l'ai pas pris. Oui, c'est pas grave, mais. Oui, mais elle s'est déplacée, elle a allégé, c'est ok. Oui. Très bien, on lâche là-dessus, on laisse là-dessus, c'est parfait. Ok? Est-ce que mission réussie pour vous? Est-ce que les filles, j'ai répondu à toutes les questions? C'est clair? À bientôt.